Bon, vous êtes prêts? Parce que là, on est parti pour 700 km de deux chevaux, direction les Côtes d'Armor. N'oubliez pas le pique-nique et la nappe! Merci Bruno! Pour ceux qui prennent le train en route, on est parti en deux chevaux en direction du Grand Ouest avec Thibaut. Nicolas nous a annoncé que Cochonou allait sortir trois saucissons label rouge. Du coup, la mission, on peut dire la mission saucisson. La mission de rêve. C'est de partir en fait à la découverte de ce nouveau saucisson label rouge. Là, on est parti direction les Côtes d'Armor. On n'est pas encore tombé en panne pour l'instant, j'espère que... Ça ne tombe jamais en panne, une deux chevaux. Bon bah là, forcément, on a eu un petit bug en chemin, quoi, petite fan. C'est pas trop ce que c'est. Camille, t'as trouvé ou... Ouais, c'est dessus, là. Voilà, on bosse dessus, on va s'en sortir. Il y a moyen que ça soit la tête de Delco, j'ai souvent entendu parler de ça. Non, ça a l'air simple, comme ça. On est arrivé où, là? Je pense que c'est par là, moi. Maintenant, on arrive de par là. Et la Bretagne, c'est où? À mon avis, c'est clair, on s'est planté. Ah, vous allez pas mettre ça au montage, de toute façon, non? Et dis-moi, Thibaut, il nous a mis quoi, Bruno, dans le panier pique-nique? Ah, ouais. Là, c'est le saucisson label rouge. Excellent! On va pouvoir se le goûter. Allez, on se le goûte. Bon bah voilà, on a fait nos 700 km de deux chevaux. On va aller voir notre ami Stéphane. Stéphane qui est donc éleveur de porc label rouge. Vous nous posez toujours plein de questions sur la provenance de la viande. Et là on va aller chercher directement des réponses à la source. Du coup on a vraiment hâte de rencontrer Stéphane. Mais on s'y remet. Allez, c'est parti.